Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais pour soigner ma pubalgie et j'en profite pour vous montrer la structure où je suis actuellement. C'est vraiment une dinguerie. Là, comme vous pouvez voir, là, il y a plusieurs salles ici. J'ai bien fait une bonne présentation. Après, là, je vais commencer par faire du vélo, un peu 30 minutes, un peu de cardio. Je sais pas si la caméra elle est bien propre, mais bon, vas-y. J'espère qu'il n'y a pas de monde dedans parce que déjà, j'entends une télé. Je vais vérifier avant et je vous montre. Bon, il n'y a personne. Regardez. Ah, trop bien. Très, très bien. Franchement, c'est lourd. Bon, je vais faire une trentaine de minutes de vélo. C'est parti. Là, j'attache. Je vais attacher ça. C'est tactique carrément quand tu pédales, regardez. Bon, ça charge un peu. Regardez, c'est tactile. Tac. 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 T'as même là, genre le nombre, ça te fait une sorte de parcours. Là, par exemple, là, je vais franchir les 100 mètres, ça va me le mettre. Si que je dépasse à la ligne, là, ça fait 100 mètres. Franchement, c'est lourd. Bon, on se retrouve après. Il y a un temps pour para et il y a un temps pour s'amuser. Voilà, c'est ce qui est juste. Quand tu as compris ça, là, tu peux t'amuser. Ouais, les gars, en 30 minutes, j'ai fait une dizaine de kilomètres. Là, je vais arrêter et là, je vais commencer à faire du renforcement au niveau des adducteurs et au niveau des abdominaux. Allez, c'est parti, je vous emmène. Là, du coup, voilà, vous voyez cette salle-là. Tac. Là, maintenant, il y a une autre salle ici. Je vais aller dans cette salle pour faire le renforcement, une partie du renforcement. Ça, c'est fou un peu. Voilà, ça. On voit bien. Regardez tout ce qu'il y a. Box. Là, tu peux faire du TRX. Là-bas, je ne sais pas c'est quel type de vélo. Ici, un espace. Franchement, que dire? C'est méchant. C'est vraiment méchant. Regardez ce vélo-là, je ne sais pas. Comme on en fait. Bon, en tout cas, si vous savez c'est quoi comme type d'appareil, dites-le dans les commentaires. C'est la première fois que, enfin, quand je suis arrivé ici, c'est la première fois que j'ai vu un appareil de ce genre. Bon, allez, on va commencer. Je vous montre, ce que je vais faire. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut que j'investisse dans ça. En plus, avec le kiné, on en a fait. Et bon, je vais vous montrer l'exercice que je vais faire avec. Bon, là, je vais aller dans la salle principale. J'ai encore un exercice à faire, je crois, là-bas. Et après, bah, je vous montrerai l'avancée. C'est ça? Là, j'ouvre la porte. J'arrive à l'entrée, salle principale. C'est-à-dire qu'il y a ça, un truc comme ça. Du coup, j'ai un peu oublié, je ne sais plus si c'était ça l'exercice. Je vais redemander au kiné, je vais l'appeler pour en savoir plus. Bon, là, je vais dans la troisième salle.
Enfin, quatrième salle plutôt, parce qu'il y avait celle-là, il y a celle-là, il y a la salle là-bas. Là, il y a cette fameuse salle. Attends, je vous la montre. 1, 2, ah oui. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est important pour la chaîne. Allez, je vous montre la salle. Regardez comment la salle, elle est spacieuse. C'est une dinguerie. Bon, je vais allumer quand même. Ouais, ouais. Comment c'est lourd. Bon, je vais juste prendre deux ballons pour renforcer mes adducteurs. Je vais vous montrer ça très rapidement. Bon, du coup, j'en ai fini avec la partie rééducation. Là, maintenant, on va aller dans les. On va aller dans la partie vraiment très intéressante. Bon, ça aussi, c'est intéressant. Mais là, on va voir encore le summum. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais... Voilà, on y va. Là, du coup, c'était là. Là, j'ai le choix entre l'ascenseur ici. Ou prendre. Les escaliers par là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'ascenseur. Je conserve mon énergie pour la partie d'en bas. Et du coup, on descend. Là, franchement, c'est lourd. Wow, que dire? Ça. À disposition pour moi, je prends plus, je sais pas trop mon... Moi, je suis plutôt chocolat chaud, sucre, thé, je sais pas. Là, c'est il y a des petits espaces. Regardez aussi, il y a le livre du stade Malherbe de Caen. Bon, ça, c'est l'ancien logo, les gens du rugby. Là, je m'en vais au vestiaire. On va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va passer par là. Du coup, c'est ça. Là, pas besoin de DNA. Juste code à 4 chiffres. Avec des cintres. C'est méchant, c'est pas méchant, les gars. Dites-moi dans les commentaires. Bon, je pense que vous avez pu le deviner. Là, je m'en vais dans une piscine. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, là, j'ai mes affaires. Là, j'ai mes chaussures. Je mets mon sac également. J'ai pris ma crème. C'est important. Là, je fais un... Je vais prendre ça, regardez. Star. Bonjour. Bonjour monsieur. Là, je mets le coude. Là, c'est fermé. Il y a des sèches-cheveux aussi. Chaise aussi. On va se retrouver juste après. Je vais juste prendre ma douche, tout ça. Faut pas que je mouille mon téléphone. Donc voilà. À tout de suite. Voilà, là j'ai pris une bonne douche. Là maintenant, le thème c'est quoi? Je viens de là. Regardez comment c'est dard. Bon, je vais filmer les gens. Là il y a là. Et là il y a une petite piscine. Là du coup, bon, comme il y a des gens, je vais aller après. Là il y a un chemin.
Là, il y a un espace aussi, là-bas. Là, il y a un sauna. Bon, il y a des gens disant, je ne vais pas trop filmer, mais c'est là, regardez. Sauna, mur de sel. C'est 55 degrés à 60 degrés. Ensuite, là, il y a une fontaine à glace. La glace. Là, il y a le hammam. Ça, j'ai pas réussi à tenir. C'est tellement chaud. 100% d'humidité, 50 degrés. Juste là, il y a le sauna finlandais. Il est plus chaud, 90 degrés à 110 degrés. Et celui-là, là, il est dur, hein. Mais ça va. Là, il y a du thé aussi. Bon, moi, je suis pas trop thé. Là, il y a une douche écossaise. C'est de l'eau froide qui sort. Là aussi, là, il y a des douches et ça, là. C'est tard. Hein. Là aussi. Et là, c'est bain remous. Bain remous, genre, c'est des jets puissants. Vraiment puissants et ça te masse. Et l'eau, elle est à 30 degrés. Je pense que je vais aller dans ça. Hein. Bon, voilà. L'eau, elle est à 32 degrés. Les jets, ils sont puissants de fou. Là, les jets sont un peu des risques là. Tu peux t'asseoir par là aussi. Tu peux être vraiment bien. Là, je vais ajuster ça. Voilà, j'ai ajusté. Là, je mets la serviette. Bon, je vais aller dans ce sauna là. En plus, ce qui est bien, ils vous disent tous les bienfaits. Donc voilà. Oui, ça c'est du sel. Voilà. Bon, je vais ranger mon téléphone, sinon il va chauffer. Bon, là qu'on peut le voir. Ouf. Ah, le sauna là, 60 degrés là, c'était chambre. Voilà, j'ai pris juste une touche vite fait, m'essuyer. Et après, je m'en vais dans le sauna plus chaud. Oh, bon, je viens de la piscine. Et finalement, bon, il y avait un couloir qui s'est libéré. Et j'ai nagé entre temps aussi. La maître nageuse a donné quelques conseils. Avant que ça ferme là, je vais faire vite fait du sauna là, une dizaine de minutes. Et voilà, on va rentrer chez nous. Hein. On fait un petit débrief. Bon voilà, j'ai fini. Bon, j'ai dû faire plus vite parce que ça se fermait. Voilà, bon, rentrez-moi, je vous fais un petit débrief à l'improviste. Bon voilà, je suis de retour à la maison, franchement. Et cet endroit, c'est une dinguerie. Tu peux faire de la piscine, tu peux faire de la musculation, tu peux faire te détendre, aller au sauna, faire du hammam, bain homme, tout ça. Et franchement, c'est carré, en tout cas pour les sportifs, pour les footballeurs pros. Si vous êtes dans la zone, que vous cherchez des endroits comme ça, là-bas, je vais mettre les informations dans la description. C'est pas une pub, c'est juste je vais faire une vidéo comme ça. Je vais faire mon stage dans mon club, mais bon, après j'ai eu cette option et du coup je me suis rebasculé sur cette option et franchement cette option, ça s'est plutôt bien passé. La prochaine aussi, je vais faire mon oral. J'espère aussi que mon oral va bien se passer. J'ai envoyé aussi mon mémoire. J'espère avoir une bonne note. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant aussi. Et je mettrai les coordonnées de l'endroit. Si vous souhaitez vous rendre, n'hésitez pas aussi. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les contacter. Sur ce, je vous dis à très très bientôt.